jeunesse, Massias, Loubri, Dutheil, le moine, les inconnus. Je crois qu'il est venu ici autant de célébrités qu'il y a de pierres sur le fort. Et les deux ont contribué à construire l'histoire de Fort Boyard. De rire, de peur, d'émotion en tout genre. Le fort aurait beaucoup à dire. Le fort est vraiment impressionnant. On arrive en bateau. Et là, d'un seul coup, on se retrouve au pied de cette muraille, une sorte de colosse au milieu de la mer. Ça m'a bouleversé. La première fois, quand je suis arrivé dans le fort, j'avais la chair de poule. Je vous jure que c'est un supplice. Une fois qu'on y monte pour l'émission, c'est toujours très joli, mais il y a vraiment une grande notion de trac, d'angoisse. J'ai un blocage total et plein de questions auxquelles on ne répond pas. Attends, j'ai pas le temps là de... Ah bah, si. Et donc le fort, ça fait encore plus mystérieux et ça met dans un état... d'insécurité morale. Non, là, je peux pas. Donc, j'y suis allé, très joyeusement. En plus, il faisait beau, ce jour-là, j'étais avec une équipe sympa. Attends, vérifie. Mais bon, il y avait un côté boy scout qui m'amusait, et puis en même temps, de laisser penser qu'il fallait que j'aille un peu à l'encontre de ça, quoi. Je sois fidèle à mon image de trublion. La boule gong. Pas mal. C'est la première épreuve dans laquelle ils m'ont balancé, c'était vachement difficile. Ah bon, il fallait mettre tout simplement, l'épreuve était la plus simplissime, quoi, tu vois, de mon niveau. Quoi. Enfin, ils avaient pensé que c'était mon niveau, mettre de l'eau dans un tuyau. Quoi. Allez, voilà. Ouais, ils m'ont pris pour un crétin. Donc je l'ai joué à fond, j'ai joué le crétin. Voilà, bon, voilà, j'ai fait le... C'est la brodie. Depuis vite le temps. Moi, t'as fait des dessins. Bien. J'arrive, mais pas ton long, c'est ton temps. Oh là là, mais comment ça? Allez, mes petits, allez, Jamel, Benjamin, Marlène, Vincent, Bettina et le petit Eric, qui est tout de même bien plus à l'aise à cheval, hein, il faut le dire. Pour ceux qui n'ont pas peur de mouiller leur chemise, Fort Boyard est prêt à dérouler le tapis. Pas beaucoup de résultats, mais ça rigole. On voit une espèce de tas qui s'agite sur un truc qui se prend un saut direct. Faut que tu remplisses. Allez, on est avec toi. Là, on voit mon ami Caro qui quand même se dit, la pauvre, c'est vache. Donc là, le résumé, en fait, il y a 1h30 de maquillage et je me prends un seau d'eau tout de suite et je finis toute l'émission complètement trempée, genre Baudérec dans ses grands moments. Baudérec, elle n'est pas vous. Je savais pas que je les avais fait autant rire, j'en avais ras-le-bol, je me suis cassée, ouais. On m'a fait faire quelque chose d'inhumain. Déjà mettre la tête dans la flotte avec une petite bestiole qui tournait dans la flotte. Elle puait la flotte, c'est une horreur. Et tout en tirant
les poids énormes qui pesaient, qui me tiraient en arrière. Tu l'attrapes avec le nez, les oreilles ou les dents, mais les dents surtout. Avec les dents. Allez, vas-y. Voilà, très bien. On a cru que j'étais vraiment costaud à ce point-là, faut pas exagérer. Et je tombe. Et là, j'ai la gueule du mec très en colère. Gérard, ça va ? Ouais, j'ai glissé. Là, il n'y a plus de commentaires, il n'y a plus rien. Là, le GG, il a les boules, là. Voilà. On se rend compte qu'on va vers un défi. Et plus le temps s'installe, plus on est complètement attiré par ce défi. Vas-y, vas-y. La galère, la galère. Vas-y, vas-y Gilbert. Et vraiment fasciné, on veut bien faire, on veut réussir, on veut pas avoir l'air nul, quoi. Super, super. Ouais. Tous mes amis m'ont dit, quoi, toi, tu vas faire Fort Boyard ? Ah ben, ça va être brillant, tiens, on va te regarder. Parce que j'ai une particularité, c'est que je ne sais pas faire grand-chose. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. J'étais très rassurée de savoir que j'étais avec une équipe de rugby. J'ai du matos avec tout ça, j'ai tout à faire, donc on va essayer de faire le mieux possible. Et moi, le moins possible, de façon à gagner le plus de choses possible. Voilà, c'est ma stratégie. Ils assurent un tout petit peu plus que moi, quand même. Premier indice est un mâle qui a perdu ses attributs. Une saucisse Oh, tiens, curieux, ça. Le ministre Non. Une pêche, un kiwi. Les femmes Non. Le crabe, un crabe-tambour. C'est la physique, c'est l'éducation physique. Un tableau, un livre, un concordat. Un petit tour de magie, allez. Attends, on n'est pas dimanche. Le poissoteur, le... Non, le... Ton slip ? Non, c'est pas ça ? Super. Mon charge, la paix, la colombe, je sais pas, j'ai déjà tout dit, saucisse ? Ouais, bah encore saucisse. C'est pas saucisse ? Je vous donne la solution, ouais. On sera plus vite arrivé. Fouillez-moi si vous le voulez. Non. Ici, c'est moi qui mène l'enquête. Hein? Attends, moi j'ai les neurones pleins d'escaliers, là. Bah, où est-ce que vous étiez ? Avec qui ? Pourquoi il y a un quart d'heure sur le fort ? J'ai les moyens de vous faire parler, moi, ma petite Véronique. Vas-y, hein. Fais-moi trouver l'énigme. J'ai pas de bavure ici, hein. Allez. Trouille. Paré d'un ruban, mon premier indice accompagne souvent un cadeau. Oh là là. Reposez, dit. Bling. Oui, allez-y. Encore, des idées. Oh là, c'est un désastre. Vous avez déjà une petite idée ? Une main, ça peut être... Je ne sais pas. Oh bah bravo ! Là, vous renouille. Oh, ça c'est pas mal, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans les 50 ans qui viennent, là ? Je vais faire un peu de télévision, un peu de théâtre, un peu de cinéma. Oh, c'est dommage. J'écrirai un livre. Et peut-être que je serai marin, maintenant que j'ai vu la mer, l'océan. Oh, c'est dommage, vous auriez pu faire un très très bon père froid. Vous faites trop jeune. C'est vrai. Mais oui, parce que vous avez une bonne voix, de la prestance, le sens de l'improvisation, et vous aimez les jeunes. Enfin, vraiment, vous auriez pu faire un très très bon père froid. J'ai choisi Tony Vérel. Il aurait peut-être dû envoyer quelqu'un d'autre, parce que c'était pas pour moi, à mon avis. Mais méfiez-vous tout de même, j'ai plus d'une prise dans mon livre, hein, David. Mais j'ai rien capté. J'ai rien capté. Puis ça passe vite, c'est une horreur. Hein. Il est très gentil, cet homme-là. Ah ouais, je me souviens, ouais. J'étais à froid et j'étais gros comme un moine à cette époque. Avec tout le corps. Et pas du tout entraîné. On va trop sport, David. Et j'en ai bavé comme une mule. Je vais refaire ça maintenant, ça se passera autrement, c'est sûr. Trop tard, David. Encore quelques centimètres. Allez, allez, allez. Te relâche pas, te relâche pas. Allez. Oh. Attention, parce qu'il y a un portier, attention. Oh non. Vas-y, fonce sur ce que tu as. Relève-toi. Ah là là. Mais non, mais pas comme ça. Oui, voilà. Oh là là. Et dire qu'il y a 120 ans, j'étais imbattable au cabestan. Vas-y, allez. Vas-y. 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 V
faut pas inventer pour avoir du café moulu tous les matins. Je savais que ça pouvait être abominable, ça pouvait être difficile. Je savais pas si physiquement c'était aussi difficile que ça en avait l'air. J'ai pu constater que oui. Mais c'est ça qui est bien dans cette émission, c'est qu'on te fait vivre quelque chose de fort que tu n'aurais pas l'occasion de faire dans la vie, quoi. Ces jolies sirènes. Je vais vous faire une confidence, c'est le secret de ma jeunesse. Me désirer, me captiver. Déshabille-moi. C'est idéal pour garder une peau de bébé. Et je sais de quoi je parle. Choisissez bien les mots. Dirigez bien vos gestes. Ni trop lent, ni trop leste. Sur ma peau, voilà, ça y est, je suis. Frémissante et offerte de votre main experte. Allez-y. Mais si, c'est vrai. Là, il n'y aura pas de médaille d'or. Allez, une petite chanson. Je voulais pas, je voulais pas. Ça te crève un tympan, ça, je te le dis. Je sais pas comment c'est chez vous, baissez le son. Tony m'a avoué qu'il aimait beaucoup mes chansons. Ouais, disons que je suis pas vraiment un fan, hein, dans le sens, je dirais, hystérique. Et par la même occasion, il a dit que j'avais un peu bercé son enfance par mes chansons. Mes parents sont connus, si je puis dire, sur une de ses chansons, donc je n'ai pas manqué de lui dire. Pour une fois, je me suis senti aussi entraîneur d'une équipe de foot. Ça a tout le temps été mon rêve. Tu vas mettre ton pied sur un des plateaux de la balance. Et ne t'inquiète pas, quel que soit ton poids, ça n'ira pas par terre. Donc le but, c'est de mettre ton pied sur le premier plateau de la balance. Ou alors d'abord sur le coffre. Et je ne veux pas me jeter des fleurs, mais là, j'ai vu que j'étais quelqu'un qui entraîne les gens, qui les motive. Continue, tu es bien là. C'est pas grave. Vas-y, passe, mets ton pied sur le pivot de la balance. Voilà, très bien. Bien joué. Encore sur l'autre plateau, tu mets tes deux pieds. Attention de ne pas tomber là. Hein. Quand j'ai la foi, quand j'y crois, quand je crois en quelque chose, j'arrive à leur faire sortir le meilleur d'eux-mêmes. Maintenant, tu vas plonger sur le filet. Plonge tranquillement sur le filet. Voilà. Tranquillement. Vas-y. Attention.
Voilà, très bien. Accroche-toi. Allez, fais les beaux maintenant, les beaux. Allez, moule. Voilà. Bien joué, gars. Bien joué, moule. Bien joué. Et le retour, tu fais attention, hein. Voilà, ouais, bravo. Non. Oh là, là, j'ai eu peur. Oh, dis donc, il est grand. Attends, j'arrive, je vais t'aider. Prends la clé, mets-la dans ta bouche, la clé. Propose la ventouse sur la table. Doucement. Oh là là. J'ai cru qu'il allait la mettre par terre, la ventouse. Allez, vas-y, Gaël, ça se sent. Vas-y. Oui, j'ai sûr qu'on va y arriver. Attends. On prend des paris. Et il est mal barré, là. Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi. Vite. C'est le retour, je crois, qui est très spectaculaire. Parce que là, je suis revenu vraiment en une dizaine de secondes, comme un Ouistiti. Dépêche-toi. Dépêche-toi le plus vite possible. Voilà. Oui, dépêche-toi. C'est bon, mangue-toi quand même. Oh là 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 là. Oh la frayeur. Tu es magnifique, Gérard. Non, parce que je vous vois déjà, vous êtes chez vous, du ouais, mais ça doit être facile, alors la télé, voilà. Les souris, j'aime pas ça. C'est pourri, c'est vraiment pourri. Ça, j'aime pas ça du tout. Vraiment, c'est monstrueux. Il y avait une clé qui est au fond d'un grand vase, et il fallait donc plonger la main dans ce vase où il y avait tout ce que je déteste. Alors là, on n'aurait pas mieux trouvé. Il y avait la boue, la vase, et au fond, il y a des souris mortes qui sont encore chaudes. C'est de la confiture, là, ça va. Rends pas compte, toi. Mais va bien au fond, Gilbert, parce que tu peux passer à côté, hein. Bah ouais, mais tu peux. C'est monstrueux. Ah, enfin, elles sont peut-être vivantes, mais elles sont... C'est chaud, c'est terrible. C'est terrible. Les petites souris, Christelle, Sandrine, Chantal, Jennifer, Gilles, Muriel, eh bien, vous pourrez dire que vous connaissez le fort sur le bout des doigts. C'est horrible. N'arrête pas de crier, tu vas faire peur aux bêtes. C'est horrible. Attendez, vous m'en pas là. Allez, Muriel, toi, serre-la dedans, dépêche-toi. Mais peut-être alors, j'ai pas fait un truc. Regardez le temps là. Bah oui, non, mais. Attention, il faut qu'elle sorte là bientôt. Bon, arrête ton body, fais un truc, c'est pour l'audimat. Oh là là, sinon t'arrêtes un peu de faire ta chuchote maintenant. Et tu plonges ta main là-dedans. Là, c'était dégueulasse. C'était invocable. Mais pourquoi maintenant faut faire ça? L'une à la suite de l'autre. Voilà. J'ai pas peur, tu risques rien du tout. Mais je croyais qu'elle était souris. Allez, non. Juste quelques souris, c'est tout. Et au fond, de trouver ces souris, c'était le top du total. Quoi. Je pouvais plus. C'est monstrueux. Viens au fond. Ah, ouais. Pour calme. Qui est très bien fait d'enjeu pour ceux qui y participent, c'est que... C'est crevant, de toute façon, pendant une journée, t'es dead. Et moi, comme je suis pas quelqu'un, je suis pas la reine du sport et de l'aventure, c'est pas ce qui me caractérise tout de suite. J'imagine quelqu'un qui a jamais fait de sport, ou qui fait pas d'extrême, il arrive et fait ça, porte plainte. Donc je savais pas trop ce qui m'attendait. Elle est crevante, cette émission. Quand je suis monté sur la poutre avec le gros coton-tige pour éléphant, là, j'ai dit, mais attendez, je vais me prendre une raclée monumentale. Vas-y, les oreilles, allez. Bon, mais après, j'ai vu que ça faisait pas vraiment super mal, mais la brute, elle m'a vraiment tapé dessus. Attache,
Allez. Alors j'ai dit, bon, comment je vais faire pour le faire tomber? Comment je vais faire pour faire tomber ce grand molosse? Les jambes, tout de suite, Georges, la main nue, la main nue. Eh oui, c'est ça la télévision. On grimpe vite, mais on peut tomber facilement. On l'appelle. C'est toujours plus rigolo de voir un copain se tomber que quelqu'un que tu ne connais pas. On donne pas de conseils, ils en tirent très bien. Bruno, enfoiré. Qu'est-ce qui surveille juste le temps? Donc on attendait qu'une chose, s'il s'en prenne une bonne. Surtout moi, peut-être parce que je suis un peu plus sadique que les autres. Voilà, mais il n'a pas réussi. Alors là, c'était un moment d'anthologie, car notre cher ami Cyril n'avait pas compris qu'on pouvait tirer sur l'élastique. On tourne le crâne sur les épaules pour le lever. Allez Cyril, on peut l'encourager un peu quand même. À deux, on était deux cons plutôt qu'un seul accroché là-haut. Allez, j'arrive. Je l'avais dit, hein, si vous savez pas. Je vous l'avais bien dit, hein. Je ne savais pas que la boîte allait m'exploser en pleine tronche et que j'étais en dessous, moi. La clé, là, c'est la clé. Sois prudent. C'est la guerre, là. Dans les inconnus, n'était pas forcément le plus expansif. Non. Non. Porteur France 2. Hein. Et ce jour-là, il a pété les plombs. Non. Il n'a pas arrêté de déconner pendant tout le tournage. Regardez, c'est bien. Regarde. Allons, mon petit Julien. C'est un scorpion pour un champion. Allez, mettez deux mains. Avec une main, tu le tiens, avec l'autre, tu tires. Ouvre le coffre. Non. Sandrine. Allez, Sandrine. Rentre à l'intérieur. Sandrine, tu m'entends? Ouvre le coffre. Ouais. Ouvre le coffre. Non. Si, ouvre le coffre. Non. Ah. Ah, il y en a une. Il est en train d'essayer d'entrer. Bravo. Bien. Ah, c'est bien là. Doucement. Allez, ouais. Doucement. Si tu vois rien en dessous, tu passes à la suivante. Ah. Voilà. Parfait. Ah. Alors, est-ce qu'il y a une petite chose en dessous? Mais c'est pas grave. C'est rien. Aussi. J'arrive pas à la frapper. Alors, lâche-la s'il n'y a rien. Lâche-la, va y aller. Prends la suivante, il y en a une belle là, juste devant toi. Bouge pas, elle t'attend. Elle est énorme. T'es sûr qu'il n'y a rien, Isabelle? Non, attends, il y a un truc, je sais qu'il y a un truc, je l'ai vu. Décroche-la, Isabelle, décroche-le. Ouvre le papier une fois que tu l'as. Oui, elle l'a. Regarde. Vérifie. Il faut pas qu'elle revienne. Elle a du temps, tant que c'est pas étonné. Oui. Purée. Reviens, Isabelle. Daniela Lombroso, qui avait été désignée pour descendre dans la fosse aux serpents, s'est pris de panique totale lorsqu'on a refermé la porte. Tu ne risques rien, là, t'avances. Il n'y en a que 3 minutes quand même. Hein. Avance, moi, non, tu ne risques rien, et à l'envers, t'as même pas vu. Qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait des serpents partout. Dont un serpent sur une poutre qui était juste à la hauteur de son visage. Elle s'est retournée et le serpent était, on va dire, 30 ou 40 cm d'elle, comme ça. Lève le serpent, là. Il est là. Regarde, voilà. Et là,
Superman est arrivé. Je suis descendu. J'ai dit à Daniela, ne bouge plus. Ah, il est là. Voilà. Vous l'avez ? Ouais. J'ai pris les serpents les uns après les autres comme ça. C'est la première fois de ma vie que je touchais les serpents. J'ai pris Daniela par le bras et on est remonté. Alors là, c'était les violons, il y avait le grand orchestre qui jouait. Oh là là, il y a des crocodiles, des machins. Non, des crocodiles, c'est pas possible, Véronica. Non, il y a... Non, mais c'est pas possible, je vais faire des cauchemars pendant 10 ans. Non, mais c'est quoi ? Non, descends pas. Non, mais s'il te plaît, mais c'est pas possible. Viens, c'est gentil. Non, mais faut les retourner. Alors, il faut qu'elles les retournent tous. Écoute-moi. Non, il est pas là. Il doit dire que papa. Calme-toi, c'est super tout ce que tu as fait là. Calme-toi, voilà. Tout ça, c'est des moments où j'ai eu le sentiment physiquement d'aller beaucoup plus loin que ce que je croyais être capable de faire. Allez, ça va, vous avez envie d'y aller ? De plus en plus loin, de plus en plus haut, de plus en plus fort. Mais jusqu'où iront-ils ? Après, tu te vois sur la gauche, le main courante. Que tu vas suivre, si j'oserais dire presque naturellement, bah oui. Au bout de hein, c'est ouais. Normal, tranquille. C'est pour moi quelque chose que j'avais jamais fait. Allô ? Et Gilbert, je suis là. D'accord. On reçoit un peu mieux ? Ouais, ça va. Ok, mais je te vois, je suis juste derrière toi, je te vois, je sais que tu es toujours assis sur ta boulette, je ne vais pas tarder à descendre. Mais je t'entends pas très bien, Patrick. C'est pas un scaphandre du tout dernier cri, c'était un scaphandre d'époque, comme vous le voyez, hein. On a retiré le tabouret, dis-lui. Le tabouret est retiré. Dis-lui maintenant de faire un demi-tour. Et maintenant, Gilbert, il faudrait que tu fasses un demi-tour. Et on se sentait assez enfermé là-dedans. Dans quel cas, il faut que j'appuie sur la valve. Et je repère mon espace par rapport à l'air qui est autour de moi. Alors, je suis en train de descendre les marches. J'ai un petit problème de compression aux oreilles, déjà. Ah. Le système d'air ne fonctionnait pas bien du tout dans le scaphandre. Il a fait court, donner de l'air quand même. C'est pas du tout de la peur, c'est que j'avais une pression trop forte sur les oreilles et j'avais pas d'air. Mais j'aime pas ce que ça fait aux oreilles. Les gens s'imaginent toujours qu'on nous fait faire des choses qu'on veut pas faire, mais pas du tout. J'ai voulu faire le scaphandre. Et c'est vrai que depuis, j'ai pas réessayé le même pour jouer comme ça. J'ai pas réessayé l'expérience. Ça va bien, sauf que je dois une explication quand même. C'est-à-dire que pour moi, ça ne représentait pas un truc très très difficile à faire, et c'est vrai que c'était pas dur. Le grand problème que j'ai eu, c'était que mon audition était complètement compressée. J'entendais plus rien, et moi, dans mon monde, comme mon monde est auditif, comme j'entendais rien, c'était une galère totale. Je remercie le fait que j'ai pu expérimenter ça. À Fort Boyard. Même si je ne l'ai pas fait jusqu'au bout, j'ai été en tout cas jusqu'au bout de mes limites ce jour-là. J'ai un père qui est très bricoleur, une copine aussi qui m'aide bien. Et on avait refait un Fort Boyard dans mes... à l'époque, j'avais 800 mètres carrés, j'avais un golf aussi chez moi. Et dans les 800 mètres carrés, j'avais reconstitué une sorte de Fort Boyard en polystyrène où j'avais toutes les épreuves, les tigres, les araignées. Le saut, là par contre, ça a été chiant parce que j'habitais au premier étage à l'époque et j'avais pris un élastique un peu trop long. Ah ben voilà, le saut, belle transition, bravo. Tu me confirmes bien que je suis pris en plan serré comme ça, qu'après il y a un cascadeur qui vient prendre le relais. J'ai essayé de faire croire au spectateur que c'est pas moi qui allais le faire et qu'il y avait une doublure qui allait arriver, que donc j'étais très enthousiaste à l'idée d'y aller. T'es truqué, tu crois pas. Non, je vous assure que Bruno Solo va sauter. Et que de toute façon ça ne pouvait que bien se passer parce qu'au dernier moment ils allaient couper et tout. Il y va en courant quand même. Hein. Toi tu fais pas le con, hein. Non, moi je suis bien, je suis détendu. Je suis étendu, mais je vois pas le cascadeur, c'est ça qui m'énerve un peu. Il y a la bourre ou quoi ? Alors là, les commentaires doivent fuser, genre il fait moins le fier, enfin j'imagine. Si tu pouvais te jeter très vite, parce que ce qui passe en ce moment, la pluie, c'est très mauvais pour mon brushing, donc si éventuellement, et pour le tir aussi. Ça te fait peur, non, ça va ? Bah ouais, comme tu le vois, hein, regarde. Bon. Non, moi je vois, mais je vais pas y aller. Et c'est là où tu vois.
encore du vide. Dis comment ça sort. Attends, faut que je saute là-dedans. Là-dedans. C'est pas vrai. Antoine ? Ouais, au bord. Je mets mes pieds plus loin de ça. Oh bon, quoi où j'en suis. Pierre bleu, il parle plus, il moufte plus. Quoi, je fais pas le fier. Non, non, ça va, non mais ben, il veut pas que je parle, c'est pour ça. Là, c'est seul moi là, c'est... C'était une peur, je sais pas, une peur, qu'au bout d'un moment, j'avais vraiment l'impression que le fort se rétrécissait. Je vous jure, je suis très très mal, attends. Oh là là, qu'est-ce qui va arriver exactement? Bah, il va arriver que tu vas te retrouver dans le vide. C'est pas un geste normal de se jeter dans une cour fermée sur du béton. J'ai la trouille. Non, je te jure, c'est horrible, horrible, vraiment. Ah, 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 j'ai envie de pleurer. J'y arrive pas, je vous jure, je peux pas. Excusez-moi, mais... Alors Mousse, quand même, qui est très gentille et qui vient me voir. J'y arrive pas. Mousse, c'est affreux, j'étouffe. Je n'y arrive pas, je pensais pas du tout ça. Je risque absolument rien. Il est convaincant, Mousse. Putain, non, arrêtez, je peux pas. Il me tape dans le dos quand même, Antoine. Je vous jure que j'ai envie de pleurer, c'est con, hein. T'oublies plus. Je suis pas mort, là. Ah, c'est marrant, c'est là que c'est... Bon, le mec arrive, là. Ouais. Non, 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 je vous jure, j'ai vraiment très peur. Attendez, c'est horrible, je vous promets, c'est horrible. Non, non, mais ça va... Vas-y, balance-moi. Attendez, deux secondes, hein. Je me maîtrise un peu là, c'est tout. Qu'est-ce qu'il lui dit qu'on a un petit vent et qu'on a froid? Dépêche-toi, appelle, on craille, nous. Salut. Ah, c'est horrible, plus jamais de ma vie je fais ça mal. Je tremble comme une feuille. Ouais, bah justement, viens comme une feuille jusqu'à nous. Ça tourne là? Je vais pas me serrer un peu plus. Hein. Tu veux pas me pousser? Tu veux... Non, non. Hein? Vas-y, balance-moi. Non, je peux pas. Fais, Maureen. Je meurs d'envie en plus, hein. Faut que je me jette, moi. Vous êtes fous. Bon, allez, relax. C'est un déclic, hein. C'est un moment qui... T'aurais peur aussi, là, Anne? Allez, oh putain, mais... Et n'oublie pas le mot, la vie.
je leur ai dit, je sais pas en faire, je veux pas le faire. Et puis finalement, je leur ai un peu menti parce que j'en avais fait souvent du saut élastique. Donc là, j'ai un peu frime, mais c'était ma petite séquence frime pour moi, quoi. J'ai rarement ri comme ça, quoi. Et puis en plus, bon, c'est Eric, c'est mon meilleur ami. Allez, mais c'est pas petit. Et il veut pas rentrer. Ouais, c'est pas possible. Allez, il le faut sur 10. Je te jure. Allez, avance. Laissez. Écoute, David, là, c'est vraiment ton job. Il faut qu'il rentre et qu'il nous trouve lundi. Ouais. Maintenant, tu les soulèves. Tu les prends. Vas-y, soulève. Ouais, non, merde. Sur le filet, là, il y en a une, là. J'adore cette séquence. Je peux pas. Il fait 120 kilos et il a peur des bestioles de 10 grammes. Faut le faire. C'est ignoble. Jean-Marie, oui. Tu peux peut-être... Oh my God, I'm gonna go. Come on, go ahead, baby. I'm so scared. Oh my God, they're right there. Don't put it there. Oh mon Dieu. Non, moi, je ne fais pas. J'ai trop peur. Je peux pas. Jay, faut que tu prennes sur toi, là, parce que... Vas-y. Sophie, aide-le. Allez, Jay, c'est bien. C'est chaud. Non, mais c'est rien, ils feront rien. Vas-y, Jay. Papa. Aïe, vache. Allez, avant Sophie, hein. Maintenant que tu lui as dit de le faire... Moi, je regarde rien. Tu ne peux pas y toucher, toi. Tu ne peux essayer que de le convaincre. Non, mais je peux pas. Ne tout, mais pas ça. Ouais, mais c'est le but. Ça, je peux pas. Le maître mot, c'est qu'on s'est vraiment amusé. Et on a vraiment aimé. Je pense que le fort, il doit bien s'amuser de voir tous ces gens qui défilent. Et le fort ne m'a pas donné de sa force, quoi, plutôt. Il m'a plutôt rendu faible. Non, là, je peux pas. Même si nous, sportifs, on aurait aimé faire que des épreuves sportives, je crois qu'on en garde quand même un bon sportif. On en garde un bon souvenir. Je me suis senti un petit peu comme un enfant. Dis bonjour, enfin plutôt au revoir. C'était vraiment magique, comme un conte des mille et une nuits en ce qui me concerne. J'ai remonté dans le temps et aussi dans l'imagination de l'enfant que j'ai été et puis des livres que j'ai lus sur les contes d'aventure et tout ça. Déjà plus de la moitié. C'est là. L'une des plus grandes souffrances que j'ai jamais... Je suis loin et je n'arrive pas à prendre la clé parce que je suis tétanisé. Ah, mais je peux pas la prendre. Je suis à la fois tétanisé dans les mollets. Je suis trop petit. Je l'avoue, je suis trop petit. Non. Attends. Voilà, tends-toi encore un petit peu. Voilà, c'est bon. Et comme je suis tétanisé, je me mets à trembler parce que voilà, je suis en déséquilibre avant, déséquilibre arrière. La trouille. Ne me parlez plus, je vous en prie. J'ai plus de bras. J'ai plus de jambes, j'ai plus de bras, j'ai plus rien. Tu as fait le plus dur, tu reviens là. Tu es là. Attends, il faut que je me décontracte. J'arrive plus à respirer. Respire. Non, pardon, j'ai trop la trouille. Attends ! Doucement, Dominique. Alors maintenant, Dominique ? Ouais. Tu te retournes et tu l'attrapes comme ça par derrière. Attention, hein, de ne pas tomber. Oh là 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 là, le fil a l'air plus détendu que Rocheteau, Moscato, Del Colombo et même Nathalie Simon. Pour Laurent, ça paraissait insurmontable, la peur du vide. Trois coups de bras et c'est fini. Et après tu reviens. Prends ton temps. Attends. Ah là. Ça va avant. Ah, il a une vraie phobie du vide. Il a peur du vide, c'est incroyable. Ouais, c'est pas mal. Encore. Ah mon Dieu. Oh, c'est pas grave. Oh là là. Et en fait, il l'a surmonté.
tu peux contracter, non, respire, non, respire. Là, vous l'énervez, là. Oui, on l'énerve. Nathalie, on t'énerve, mais attendez. Surtout, tu te dépêches. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ta famille? Une minute. J'en peux plus de votre truc. Il y a les tigres en dessous, donc ça veut dire qu'il faut que tu te... Pourquoi c'est toujours moi, c'est blanc? Ouais, ah, non, 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 maintenant, il faut qu'elle revienne. Elle peut revenir. Merci. Reviens, Nathalie, reviens. Nathalie. Reviens tout doucement. C'est la peine que tu te dépêches. Tu penses que tu peux y aller, là? Voilà, là, là t'es face à la clé. Vas-y, prends-la, Vincent. Voilà, génial. Vas-y, maintenant reviens. Maintenant, il faut que tu passes très vite, Vincent. Très vite. Cours, maintenant. Oh là, il l'a dans la bouche, là. Voilà. Vous parlez comme des livres. On n'a pas compris, mais on est tout cœur avec toi. Allez. Allez, Vincent, allez, allez. Il était malheureux, hein. Ah, oui, vous allez m'abandonner. Enfin, il était content à la fin d'avoir réussi, mais sur le moment, il était très mal. Hein. Enfin, voyage, je dirais... Endurance. Excuse-moi, pépère. Dépassement de soi. Maintenant, allonge-toi sur ce gros, là. Voilà. Doucement. Et dépaysement. Allez, Fiona. Pour moi, c'est pas ça, le souvenir. C'est d'avoir réussi à aller au-delà. C'est un bon souvenir. C'est un souvenir qu'on n'est pas prêt d'oublier. Fabrice, comme t'es expliqué, dans les oreilles. C'est quand même formidable d'avoir... tout ça à sa disposition pour jouer une journée. Quoi. Et on vient du monde entier pour jouer. Moi, le squelotté, ça me fait pas peur, hein, moi, parce que moi, je suis toujours, c'est toujours allumé à l'intérieur de moi. Et là, c'est pas grave, ce sont les tonneaux, c'est que t'es sur la bonne route. Bien sûr. T'es à quel tonneau, là, Gilbert? Bah, écoute, j'ai pas le numéro. Il y avait des tas de choses qui pouvaient être perturbantes. Avance, avance, tu attends, je suis dans les bulles. Voilà, tu têtes du mur, voilà. Et là, sur le mur, ça va être à ta droite, à ta droite, à toi. Souvent, vous les voyant, vous confrontez votre droite et votre gauche. Et ça, pour nous, ça peut être terrible. Qu'est-ce qui se passe? À droite à moi, soyez clair. Ah non, c'est à gauche, c'est à gauche. Non, c'est à gauche, c'est à gauche, on les voyant. C'est à gauche. C'est comme si j'y étais. C'est pour ça que j'ai pas fait la guerre. Bah oui, non, enfin, non. J'aurais fait ça dans la transmission. Voilà pourquoi je ne suis pas syndiqué. Mais je vois que je prenais ça à mon habitude, avec un certain humour. J'ai confiance en toi, Xavier. Ah, c'est ta confiance, y'a pas de problème, pas tout droit. J'étais bien guidé par Xavier, qui me donnait de bonnes indications. Vas-y, mon fils, vas-y. Mais j'étais pas rassuré, c'est vrai que j'avais un petit peu peur, quoi. Maman, qu'est-ce que j'ai été faire pour venir là, hein? Ben, peur d'une farce, hein, pas, j'avais pas vraiment peur. J'ai à savoir qu'est-ce qui va me tomber sur la tête, là. J'ai pas peur. Ah putain, il y a un squelette, là. Attention, ouais, oh, oh. Ça va, ça va. Allez. La cerise sur le gâteau, ça a été la... Oh là 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 là. Ta jolie fille avec ce corps sculptural. Elle est vraiment nulle. La touche pas. La Fort Boyard, c'est l'une des plus belles inventions de télévision de ces 40 dernières années, quoi. Tu plonges, là? Attention, hein. C'est vraiment très fort comme expérience. Et moi, justement, je félicite ça parce que c'est fort comme émotion. C'est... Oui. C'est fort. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pourri. C'est pourri. C'est vraiment pourri. Et j'ai inventé un mot, c'est du surpassage. On essaie de se surpasser, voilà. Surpassage, aventure et plaisir. Personne m'embrasse, alors. Mais si. Ah, moi, je t'embrasse. C'est pour conjurer le sort. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce que j'ai fait avant le début de l'émission, mais après, on m'a demandé de faire ça. Voilà. Ouais, je ne sais pas le faire. Voilà. Scoot toujours prêt. Idiot! Idiot! Bah, j'étais bon! On peut monter sur la palissade, regarder ou pas? Patrick! Mais tout le monde y va, là, dans ces émissions? Je serre les jambes, je peux pas. Tao, ne me lâche pas. Tu m'as bien attaché et tout. Impeccable. Hein? Non, je peux pas. Et en l'air, tout ça, tu n'as pas des sensations comme ça? Ça va, le cœur, tout ça, ça va? Hein? Je suis bien parallèle là? La 1 mètre avant? Ouais. Hein? Devant, la 1 mètre devant moi. Hein? Je viens, petit. Non, j'irai pas.
chanter avec moi, hein. Faut que vous me regardez. On sort encore une fois. Les enfants, vous allez aussi. Aïe. Il y a encore quelques progrès à faire. Hein. Bon, mais ça, c'est le refrain. Je vous retrouve ce soir pour le premier couplet avec Lam, Lubna, Lena Kahn, Patrick Adler, Christophe Gagliano et Vincent Malisewski. Soyez au rendez-vous pour cette nouvelle soirée de Fort Boyard. Encore plus beau, encore plus fort. Bon, allez, je vais préparer mes énormes. Hein. À tout de suite. A bientôt pour de nouvelles aventures de Fort Boyard avec Justin Bridoux. His name is Robert Paulson.